On est un. Ok, on est en route. On a genre une heure maximum. Attends, je prends de bon personnage. On a tellement la fin de prendre. Il est écrit gratte cul. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. C'est vraiment un chien. Oh, qu'il me prend dans ses bras, qu'il me prend dans ses bras. Sophie, Liliana. Vous avez remarqué les gargouilles? En haut, il y a des plats. Ah. Il pleut ici. Je sais plus. Laurence, comment? Pour Célia, elle n'aura pas de fruits de mer ni de poissons. Elle a eu son poisson, fruits de mer, poissons. Non, les deux autres, oui. Donc, on va faire revenir les gambas. Les gambas, c'est les mauvaises. Sans mission, les feuilles, on dirait karma.
Est-ce qu'ils vont nous entendre? On s'en fout. Je peux... On a acheté certains affaires. On va, oh, on va. Et là, on s'en va faire. On s'en va faire une photo familiale devant. Mais arrête, il fait juste me suivre. Il revient dans le truc. La photo familiale dans devant je sais plus quoi. Puis après, on retourne à l'hôtel. Sagrada Familia. Ouais. Puis on va... Non, c'est le Palais National, Palais Royal, Palais Machin. Puis après ça, on va dormir dans l'autobus parce que vraiment, on a besoin de dormir parce que on manque de sommeil. Vous aurez comment sur ma casquette? Quando me fila, me paso otra vez. Te vi de te leo, y sin madure. Borracho te dije, yo te parto entre. Mami, ven y ponte pa' bailar, me pegadito. Yo sé que ando en alto y parezco medio exclusivo. Todo ese calorcito, mami, lo necesito. Aunque tenga cara dura, baby, soy suavecito. Mami, suéltate el pelo, dale pa' abajo. No ponte el suelo, no pasa trabajo. Parece modelo, pero no ha desfilado. Me dejo hasta el cielo y me dejo abandonar. Mami, no soy el mismo de antes. Tu conocida no era tan importante. Ahora tú Andalucía, ¿por qué estás tan distante? Si tú me conocías desde que era muy infante. Te da la vuelta al mundo buscando lo que tú me diste, mami, sigo esperando que caiga del cielo. Mami, que estoy volando y solo subí. Mami, que se pagando al menos que para bailar me pega y estoy secando en el ti parezco medio exclusivo. Estoy secando. Rosan, comment on se sent? On se sent bien. Je me sens partout à toi devant le stade olympique. C'est pas grave. Tu laisses tes traces, Rose? Exactement. Attends, on va voir Liliane pour voir comment ça. Liliane, comment tu te sens? Je suis mort. À qui? Elle veut pas dire. Laurence, comment tu te sens? T'as pitié. Moi, je me sens comme si je suis fatiguée. J'ai envie de retourner à l'hôtel. Puis, on doit encore aller prendre une photo de famille devant la Sagrada Familia. Alors, fuck you. Ben, moi j'aime pas ma journée. T'inquiète, papa de Rose, je suis très gentille. Moi j'aime bien ma journée. C'est vraiment cool. Puis j'ai envie d'aller à la plage. Puis j'espère qu'on va demander des mecs chez nous pour la dernière fois. Parce qu'espérons. Non, c'est cool, ça c'est cool. Oh, merci, mon vieux. Bye.
Ils sont dans la vue, Laurence. Est-ce qu'on a vu ma bouche? On a vu ta bouche. Ah. Oh, s'il vous plaît. Oh. Ça va être des magnifiques faces. C'est magnifique, hein, Sophia? Ah, je l'ai manqué. Oh, les gros plans de Sofiane, c'est carré. Oh, j'ai pas qu'une chute ici. Ils s'en foutent. Ok, vite, Laurence. En plus, on voit Laurence. Guys, j'adore qu'il s'est rendu. Maman, ton petit chapeau. Wow! Tu l'as payé combien? C'est moi qui l'ai payé, mais je sais pas. Il y a pris 10 euros, mais je l'aime trop. C'est magnifique. Sauf qu'il y a de l'argent. Rentrer dans une grotte. Yo tenía mi bebé, era algo bien especial, pero me obsesioné con algo que él hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba. Y tantas veces que me lo decía, yo como si nada. Thank you.
demasiado traicioné. Como ya viene y se te va. Donc, on est. On est où? On est à. T'as ça? On est là. On descend le fort en ce moment. On va s'en aller faire les petites boutiques. Ça, c'est la vue. On a vraiment passé vraiment longtemps en haut. C'était vraiment plate. C'était vraiment beau, mais c'était tellement long. Checker, on dirait un cœur. Attends, je vais le prendre en photo pour maman. Si t'es encore plus big, tu vas pas passer dans le compte de boss. C'est pas ça qu'on veut. Avec des genres de pénis sur le mur, ou c'est pas trop. Pas avec un truc de plongée sur la tête. Je fais un gros zoom dessus. Et il fait peur, lui. C'est des attentes, genre. Vraiment, on est. Comment ça, tu regardes en haut? Oh, ma tête! C'était des ruches avec de la moisissure. Ah, puis ça, c'est la roche. Check, c'est la roche qu'il a voulu faire. Oh, je suis pas sûre que j'étais supposée le toucher. Non, il n'est pas écrit. Ben, il n'est pas écrit nulle part. Ah, puis là, c'est des seins, mais en roche maintenant. Le mec est vraiment obsédé par les deux seins. Là, c'est le truc qu'on peut pas aller plus loin que ça. Oh, regarde. Je pensais que c'était des chaussons. Con todos ustedes, Cristina. I wish I'd been more prominent.
Merci.
tu mano sin temor a equivocarte. Si tú me entiendes, yo nunca voy a engañarte. Ay, dame la cuenta y que thank you.
exposition universelle en 1967. C'est sur les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène. Bon, ben ça, c'était pas la première fois, hein. C'était une longue... On regarde la vue en haut, puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait la file pour redescendre du sommet jusqu'au deuxième. Et au deuxième, c'est arrivé souvent qu'on a la place de la Concorde. Sa femme, Marie-Antoinette, qui n'était pas française, elle comprendre. Alors c'est ici qu'elle a perdu la tête. Parce qu'elle est allée se garer avec l'autocar pour pouvoir avoir le temps libre pour... Où ça? Quoi? Oh, sérieux, ça? Non, je pensais que tu parlais du monde. Non, c'est des tourterelles. Non, c'est des tourterelles. Mon mouche. Mais pourquoi est-ce qu'il y a plus tant de gens? Ils gâchent tout. Je me baladais sur l'avenue que ouvert Manhattan. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. On écrase des pieds. Alors je t'ai accompagné, on a chanté. Bloc 2 sur le trafic bias de Paris. Bias? Bloc 2. Pourquoi les Parisiens? Non, je parle les Français de France. Oh, ici c'est dégagé. Les motos qui attendent. Les Parisiens? Ouais. En effet. Oh. Les Français. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue. Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, c'est beau, Liliana. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. C'est-tu beau? Tout ce que vous voulez, oui, moi je suis belle. Oh, d'une beauté divine. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une rame bonheur dont je connais la cause. C'est moi pour moi, moi pour lui dans la vie. Il a dit c'est ici pour la vie. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Il est parti. Je sais, je suis à 15. Non, je connais la cause. T'as son film. C'est toi pour moi. Je sais, c'est compris. Oh!
Nous, on est à Tokyo. On merci. Attends, on a un truc à nous. Le plus petit building de Paris. C'est beau, Liliana. On a fini notre visite. C'était fucking long. Est-ce que tu vois mon œil? Vois mon œil. Attends, tu veux comparer ton bracelet avec? Oh non. Attends. Je résonne en baiser. C'est en long, guys. Est-ce qu'on voit? Je peux quand même te voir. Ok, ben tu montres après. On est en dernier. Non. J'en filme le groupe. Oh
fils de roi. Là. Il est 10 minutes en marchant. Bonne journée. Quasiment. C'est quasiment pareil. Attends, montre-le-moi le français. Oh non, mais prends les photos des héros. Montre-le-moi. Waouh, t'as effacé mon cœur. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est elle qui l'avait dans les mains. C'est pas ma faute. On va le mettre. Non, mais là en haut. Oh. Waouh. On est là. Il t'a compris. J'ai mal aux genoux. J'ai mal aux genoux. Il filme le bisou. Théâtre du merveilleux. On va faire un voyage temporel. Oui, mais on dirait que tu regardes. Ben oui, regarde, je regarde, mais je regarde pas la caméra. On dirait que je perds mon. Elle a été inspirée, oui, ou influencée. Enfin, on sait pas d'où ça vient. Par un de nos grands auteurs français. Marguerite a fait une sieste.
Ça va plus qu'à 3 km/h. Non? Non. Non? Non. Quand tu marches, mettons, normalement, mettons, tu marches à 4-5 km/h. Fait que je suis sûr que tu marches plus vite à côté. D'après moi, on va à 1 ou 2 km/h en ce moment. Le gars, il est parti, c'est du bon. Ouais, c'est sûr. On va faire autre chose en attendant. Ça va vite. Il a pas touché, il a dit. Ça va être dedans le vidéo. Ça, là, ça court après toi, toi. Non, je t'écoute pas. Quand on parle fille et l'amour, ça va pas être les la chute la plus belle. Oh, attends, oui, j'ai la chute la plus belle. Sur les choses et sous la ma pensée, wow. Moi, me dépose un merveilleux été sur la grève. Notre-Dame de Paris. Quand tu trouves Notre-Dame de Paris, c'est impressionnant avec les échafaudages, les trucs de métal. Moi, je reste encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère. Check la scène de la ville au soleil. Laurence, allô, on filme la scène. Là! Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Ah, faudrait zoomer. Demande. Prenons la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles à langues vous ravissent le cœur en pressant ma tondille de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait
délire. Tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. Là, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus.